Bonsoir, merci de votre présence toujours aussi nombreuse pour cette soirée de vœux. Bienvenue à vous tous, des Crétois bien sûr, mais aussi des amis des communes aux alentours, des élus et des représentants des institutions. Bien le bonsoir. 2019, c'est améliorer le quotidien de chacun avec rigueur et implication. Notre détermination, élus, techniciens, services, doit être sans faille dans ce domaine. Et j'en profite pour remercier tous les services et tous les élus en leur rappelant cette notion d'excellence de tous les instants. Glory to Hong Kong, l'hymne de la liberté à Hong Kong. Tous mes vœux, tous les vœux du Conseil municipal, à toutes et tous, qui nous faites l'amitié, l'honneur, la joie de partager ce soir, même si Jean-Pierre le craignait, peut-être n'y aura-t-il pas assez de parts de galettes, et d'ailleurs peut-être pas de galettes du tout. Mes remerciements à vous-même, le sous-préfet, d'être avec nous ce soir. Merci à notre ami Gilbert Boucher, sénateur, d'être un participant régulier de notre cérémonie des vœux et de beaucoup d'événements de la vie de Cré et de sa région, comme Madame la Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre Mouton. Je veux aussi signaler la présence de beaucoup d'élus, de maires de communes voisines, de Claude Orias, à la fois maire de Loriol et conseiller régional, aussi de Muriel Paré, maire de Grane, conseillère départementale, d'autres maires, monsieur le maire de Divageux, monsieur le maire de Montoison, de Vaunavé, de Chabriant, de Saint-Benoît, de Saint-Sauveur et d'autres villages et communes aussi. Notre ami Dédé Gilles, vice-président du conseil départemental chargé des routes. Jean-Pierre y a fait une délicate allusion tout à l'heure. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et puis, quelques amis venus de plus loin, et j'aurai le bonheur aussi de retourner leur venue avec notre ami maire de Suze-Larousse, Michel Rieux. Merci à toi, Michel, d'être là sur de vieux engagements. Deux vœux que je souhaite que nous partagions ce soir. D'abord, un vœu de liberté. Chateaubriand disait que sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. C'est pour cela que j'ai voulu, avant mon propos, que l'on l'entende, que l'on partage et que l'on admire le combat de centaines de milliers, de millions d'habitants de Hong Kong pour la liberté. J'avais rencontré il y a quelques années Joshua Wong, le leader du mouvement des parapluies à Hong Kong. Et chacun doit mesurer que ce combat, ça n'est pas simplement, et ce serait déjà cela, le combat de la liberté de quelques millions de personnes face au risque d'oppression d'un pays d'un milliard d'habitants, mais c'est en vérité un précurseur de ce que doit être l'exigence de la liberté. Et si nous ne témoignons pas de notre solidarité et de ce que nous sommes concernés par ce qui se passe aujourd'hui, alors beaucoup serait à craindre, les amis, sur l'avenir de la liberté, pas seulement à Hong Kong ou en Chine, pas seulement dans de vastes contrées, mais très directement, ici, dans notre beau pays de France, ici, dans notre belle ville de Cré, dont la liberté est pourtant la signature, témoin cette belle charte de liberté qui est à l'entrée de la salle Max Tabardel en mairie. Liberté menacée ailleurs, liberté parfois menacée chez nous. C'est ce cri de l'essayiste François Sureau qui souligne que souvent aujourd'hui, on remplace l'idéal de la liberté par le culte des droits, et qu'alors,
au tourniquet des droits, chacun attend son tour, provoquant des antagonismes de tous contre tous, les communautarismes des uns et des autres, les individualismes et les matérialismes. Tout ça appelle à l'insatisfaction, à la déception et à la tristesse. Ce que nous voulons, c'est appeler à la liberté, appeler à la responsabilité, ici à créer comme partout dans le monde. La liberté sans responsabilité serait, par exemple, négatrice de l'écologie, mais aussi l'écologie sans la liberté ne serait pas une écologie humaine. Oui, nous devons réduire notre empreinte de CO2, notre empreinte carbone. Savez-vous, il est utile de savoir ce chiffre pour mesurer les choses, que l'empreinte carbone, comme on dit, pour chacun d'entre nous, c'est l'équivalent de 10 tonnes de CO2, de dioxyde de carbone, par personne et par an. C'est dire l'ampleur de la tâche qui est devant nous, l'ampleur du défi, si en effet nous voulons, et nous le devons, réduire notre empreinte carbone. Mais les amis, réduire notre empreinte carbone, ça n'est pas effacer l'empreinte humaine, celle de nos actions, celle de nos convictions, celle de nos sentiments, celle de nos passés. Nous devons alors appeler notre responsabilité aujourd'hui, notre responsabilité à l'égard des générations futures. J'organise le mois prochain, comme président du Conseil franco-britannique, une conférence associant Britanniques et Français. C'est vraiment le moment pour préparer la COP26. C'est le Royaume-Uni qui présidera à Glasgow cette année la COP26 pour parler de notre action dans le domaine de l'énergie et du climat. Comment lutter pour un meilleur climat ? Notre responsabilité à l'égard des générations futures, notre responsabilité aussi, d'une certaine forme, à l'endroit des générations passées. Nous marquons ces jours-ci les 60 ans de la mort d'Albert Camus. Albert Camus, dans son dernier ouvrage, Le Premier Homme, a souligné l'importance du respect, de la piété filiale. J'ai déjà cité ici Dostoïevski qui nous disait que la beauté sauverait le monde. Et aujourd'hui, c'est un essayiste, Jean-Paul Guilbeault, qui publie un ouvrage intitulé « Sauver la beauté du monde ». Et oui, il y a fort à faire en Australie, en France, à Cray. Il y a urgence, il y a exigence, mais nous devons aussi agir avec bienveillance pour voir, ressentir, cultiver et garder la beauté. Avec la mesure de la tâche considérable devant nous, à l'échelle mondiale comme à l'échelle locale, mais aussi en gardant un instinct d'optimisme. Si Alain Finkielkraut nous dit que le monde est de plus en plus inhabitable, je préfère ici m'arrêter à cette belle définition de la politique, de l'esprit politique que nous a proposé en son temps la philosophe Hannah Arendt. Prendre un plus grand soin du monde. Amor mundi, l'amour du monde, l'amour de la France, l'amour de Cré. Alors, après ce vœu de liberté, ouvert par l'hymne de gloire à Hong Kong, un vœu à partager ici amplement et au-delà de ce soir, ce vœu de partager tous ensemble le bonheur d'être crétois. Nous sommes 8773. En gros, depuis quelques années, une centaine de plus chaque année.
Oh, cette croissance de la population, je pense que personne ici ne souhaite qu'elle monte jusqu'au ciel. Mais aussi bien, elle dit que notre ville est attractive. Elle dit qu'il y a, objectivement, et qu'il y a des hommes et des femmes heureux et plus nombreux chaque année à conjuguer, oui, le bonheur d'être crétois. Le bonheur d'être crétois pour aujourd'hui et pour l'avenir. Parce qu'à Cré, nous avons un haut niveau de service. Je salue la présence du directeur de l'hôpital parmi nous ce soir pour rappeler une petite ville d'à peine 9000 habitants avec un hôpital neuf, des services actifs, des urgences agréées de nouveau. Il y a à peine plus de 2 ans, c'était dans le courant de l'année 2017. Et non seulement une belle réalité autour de cet hôpital neuf, mais aussi des projets. Au dernier conseil de surveillance, Madame la conseillère départementale, mais aussi avec Anne-Marie Chirouze, l'examen du dossier de l'installation de la gériatrie à Mazerel, 8000 mètres carrés, plus de 8000 mètres carrés, un projet d'une 20 millions d'euros, avec le soutien de principe de l'Agence régionale de santé et du Conseil départemental, Madame la Présidente. Et puis, d'ici quelques mois, il faudra passer du soutien de principe au bouton sur lequel nous appuierons ensemble pour le démarrage de ce beau projet. Mais nous savons pouvoir compter sur vous, chère Muriel, et sur vous, chère Marie-Pierre. Alors, un enjeu aussi pour l'avenir, qui sera celui, nous avons commencé d'y travailler, de la reconversion de l'ancien hôpital que nous souhaitons transformer autour de biens des vocations, logements, tourisme, économie, d'autres encore, en véritable écoquartier. Créer son bonheur aujourd'hui et pour l'avenir grâce à des infrastructures modernes, avec en particulier un travail, comme l'a dit Jean-Pierre, réalisé main dans la main avec le Conseil départemental. Ça a été cette année, Madame la Présidente, la reprise lourde, des travaux lourds sur l'avenue Ricato. Ce sera demain, vous nous avez fait l'amitié de venir au lycée Armorin. Je salue Monsieur le Proviseur que j'ai aperçu tout à l'heure, juste avant Noël. Ce seront les travaux de restructuration de toute l'entrée ouest de la ville, du cimetière jusqu'au pont Frédéric Mistral et la fameuse passerelle, avec en particulier la volonté de végétaliser cette entrée, d'encourager les circulations douces pour les piétons, pour les vélos, une circulation plus douce des automobiles aussi, sans chasser personne, ni les piétons, ni les vélos, ni les automobilistes, connaître et reconnaître les uns et les autres. Et puis bien sûr, Jean-Pierre, l'arrivée de cette belle passerelle, une architecture belle, des difficultés techniques, ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte un bonheur retardé. Conjuguer le bonheur d'être crétois dans la vie quotidienne et dans la vision stratégique. La vie quotidienne, merci pour les beaux exemples que vous avez donnés, avec le budget participatif, mais aussi la mise en place, sur le papier, en 2019, et dès maintenant, dans l'action concrète, d'un certain nombre d'initiatives nouvelles dans le cadre de l'agenda 21 pour le développement durable. Mais c'est aussi la vision stratégique, véritablement, que représentent les travaux de Salène, pour le développement économique, pour la protection écologique, pour la protection des populations. Un plan local d'urbanisme qui rend 80 hectares en zone naturelle et agricole. Conjuguer le bonheur d'être crétois en centre-ville et dans les quartiers. En centre-ville, avec le travail dès cette année, dans les semaines qui viennent, de mise en place d'un secteur de protection renforcé pour protéger, valoriser, améliorer le vieux Cré. Une action sur le patrimoine, en particulier la restauration longtemps attendue, absolument nécessaire, de l'intérieur de l'église, deuxième monument classé de la ville avec la tour. Un travail pour améliorer les accès à la tour dans le centre-ville, valorisant en particulier le long de ces accès les métiers d'art crétois. Et les quartiers, avec Drôme Aménagement Habitat, c'est un programme ambitieux de restructuration, d'accessibilité, d'installation d'ascenseurs sur plusieurs des immeubles du quartier de la Prairie. En centre-ville, dans les quartiers, en zone d'activité, mais aussi le commerce de centre-ville. Quelques chiffres. Audrey Corneille les connaît bien. En 2019, commerce et artisans à Cré, 2019, 27 ouvertures, 15 reprises et 22 fermetures.
Ça pourrait être, ça devrait être encore mieux. Il faut toujours être plus exigeant dans la vie. Aussi bien, quand beaucoup de petites villes souffrent, force est de constater que la petite ville de Cré, non seulement attire des habitants, mais aussi attire des activités et se porte plutôt bien. Pour autant, nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, pour autant, nous sommes dans notre temps. Et nous avons, Audrey, Sylvain, avec Sylvain Collardel aussi, lancé aujourd'hui même, ce soir même, la nouvelle version du site achetezacré.com. C'était un site annuaire de commerce crétois. C'est désormais, pour tous les commerçants qui le souhaitent, et certains ont commencé de le faire, un site vitrine. Parce que nous pensons qu'on doit, dans une petite ville comme la nôtre, vis-à-vis des résidents, vis-à-vis des habitants des environs, vis-à-vis des touristes, vis-à-vis des résidents secondaires, combiner à la fois le commerce traditionnel et la mobilisation par ce commerce traditionnel des outils les plus modernes. Conjuguer le bonheur de vivre à Cré, c'est pour nous et pour nos hôtes. La vie sportive, et Caril Fraud le sait, avec souvent le soutien du conseil départemental ou du conseil régional, Claude, des manifestations sportives qui participent du renom de Cré et du dynamisme de l'ensemble de notre bassin. C'est bien sûr la vie culturelle, le jazz, l'école de la voix qui vient d'être créée et que la ville soutient. Une fête médiévale qui a maintenant une belle place et dont le thème sera en 2020 le fantastique. Avec nos amis de l'école de musique qui égayent de leurs instruments la soirée aujourd'hui, et je les en remercie, ce sera en 2020 une nouvelle salle pour l'école de musique. Nous avions fait la toiture il y a quelques années. Il faut maintenant réaliser l'intérieur. Le centre d'art, avec trois belles expos que nous allons vous proposer dès le mois prochain. Une expo de tissage, d'ikat, d'œuvres asiatiques, au moment même de la fête de la laine. Tisser, tisserand, un beau métier de la cité, comme le disait Platon. Une deuxième exposition autour du fantastique, avec des tapisseries qui seront consacrées au moment de la fête médiévale à ce thème du fantastique. Et enfin, pendant l'été, une exposition autour d'un extraordinaire artiste crétois, sculpteur, éditeur, homme de culture remarquable, aux idées si différentes des miennes parfois et au talent si considérable qu'est Jacques Clair. La tour, en 2020, ce sont les 900 ans de sa mention. Christine m'a laissé cela, Nian Guen, Daniel Borderès y sont attentifs. La nouvelle gestion de la tour, évoquée par Jean-Pierre, ce sera dès maintenant, en dehors même des périodes de vacances scolaires, en dehors même du plein été, l'ouverture de la tour à la visite tous les week-ends. Moi, je ne sais pas s'il y a matière à débat idéologique sur la gestion de la tour. Ce que je sais, c'est qu'il y a dès maintenant un progrès concret pour la visite de la tour, c'est qu'elle est désormais, même hors vacances scolaires, accessible tous les week-ends. Jean-Pierre l'a dit, un bâtiment d'accueil verra le jour après une concertation nécessaire avec les riverains du quartier et tous ceux qui le souhaiteront d'ici quelques semaines. L'objectif est clair, doubler, car Cré le mérite, le nombre de visiteurs à la tour. Partager le bonheur d'être crétois, c'est bien sûr l'ouvrir à la tour, c'est l'ouvrir dans notre activité touristique, et c'est la poursuite cette année des procédures complexes, mais nécessaires, car à un moment les choses sont indispensables, poursuivre donc la procédure d'expropriation du bâtiment Corday, que les Crétois connaissent bien, à côté de la mairie, pour y installer l'Office du tourisme. Un endroit aussi stratégique doit servir à des usages et à un intérêt public stratégique de la ville de Cré et de toute notre région. Conjuguer le bonheur d'être crétois, c'est aussi assumer parfois un modèle crétois, revendiquer aussi des choix partagés. Un modèle crétois, un exemple que Jean-Marc Matra connaît bien. Nous avons, ces derniers mois, avec le soutien de l'inspecteur d'académie, que je remercie, tenu bon pour continuer d'offrir aux enfants et aux parents des écoles publiques de Cré des activités
un aménagement des rythmes scolaires qui leur permet de pratiquer dans le domaine culturel, sportif ou de la citoyenneté des activités extraordinaires auxquelles les plus modestes d'entre eux ne pourraient accéder et que tous apprennent à découvrir de cette manière-là. C'est aussi un extraordinaire, une extraordinaire ouverture vers la vie associative crétoise, car beaucoup ensuite poursuivent dans le domaine sportif, par exemple. Et oui, avec Valdrome, et j'ai lu que Nyons peut-être y renoncerait l'an prochain, Cré a été une des rares communes dans la Drôme à maintenir une organisation scolaire qui permettait ce programme ambitieux, exigeant et apprécié surtout d'activités périscolaires puissantes pour les enfants et leurs familles au service des plus modestes. Anne-Marie Chirouze, comme adjointe aux affaires sociales, est aussi très attentive à cela. Eh bien, cette originalité crétoise, nous la revendiquons. Et puis, bien sûr, des partenariats, des choix partagés, Madame la Présidente. Nous avons signé, il y a quelques jours à peine, le renouvellement de la convention qui lie le département et la ville pour la médiathèque. C'est un projet qu'il y a quelques années, nous avions porté ensemble avec Henri Hérault, qui à l'époque était à la fois conseiller général et élu au sein de notre conseil municipal. Nous sommes heureux de contribuer à cet investissement utile aux Crétois, utile à l'ensemble de la population de notre bassin. Et le bonheur d'être Crétois, c'est aussi bien sûr le bonheur de cette médiathèque, le bonheur de ce partenariat entre le département et la ville. D'ici quelques jours, une belle idée d'Anne-Marie Chirouze encore avec Yvan Lombard et quelques autres au profit de nos anciens, le portage de livres à domicile. C'est simple, mais jusqu'à présent à Cré, comme dans d'autres villes, il y avait des portages de repas. Et on le fait bien, mais pourquoi pas aussi, et alors nous allons le faire, des portages de livres. Nous souhaiterions aussi, Madame la Présidente, discutons-en, une augmentation des heures d'ouverture de la médiathèque. Il m'arrive parfois d'être un peu insistant. Des choix partagés, parfois ça marche moins vite. Il n'y a pas de censure. Et je dirais un mot de la piscine. Depuis quelques années, des oppositions se sont coagulées, à dire vrai, dès après les municipales de 2014. L'opposition à ce projet a été exprimée par certains. Et le projet, comme vous le savez, est aujourd'hui arrêté. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'au moins à quelque chose malheur est bon. Et qu'alors qu'il y a quelques années, en particulier immédiatement après 2014, une opposition frontale au projet s'exprimait sur le thème « on a la Drôme, il suffit de se baigner dans la Drôme ». D'ailleurs, je pense que tout le monde ici s'est baigné dans la Drôme pendant les vacances de Noël. Eh bien, au moins, le débat a mûri. Et aujourd'hui, il y a, si je lis, un accord assez large pour répondre positivement à l'objectif d'une offre qui permette de se baigner toute l'année. Alors, si j'ai bien compris, il faut un bassin pour se baigner toute l'année. Nous avons le bonheur aujourd'hui d'avoir aussi un bassin découvert et personne n'imagine une baisse de la qualité de service. On peut aussi en cohérence imaginer qu'au même endroit, les deux équipements, ça coûte moins cher qu'à deux endroits distincts. Bah, au fond, on arrive à quelque chose qui n'est pas très éloigné de l'équation de départ. Il y a, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller Régional, vous qui, Madame la Sous-Préfète, étiez prêts à nous aider si intensément dans la menée de ce beau projet. Il y a parfois des bonheurs retardés, il y a sans doute, en tout cas il faut l'espérer, des bonheurs à venir. Conjuguons encore le bonheur d'être Crétois en étant fiers de nos forces et aussi bien sûr avec nos partenaires encore. Nos forces, Jean-Pierre l'a dit, c'est pour la 24e année consécutive la non-augmentation des taux des impôts communaux, voilà pour 2020 et voilà quelque chose dont nous sommes fiers à créer. Mais c'est aussi et c'est surtout à créer une économie active. Quand vous regardez les projets menés récemment encore,
ces jours-ci, ces heures-ci, chez Smurfy de Kappa, en termes d'équipement et de machines nouvelles et de développement de l'activité d'entreprise, premier employeur privé de la ville. Le développement, je faisais un point là-dessus cet après-midi, de l'activité d'Astic dans le domaine de l'injection, en particulier pour le secteur aéronautique et pour l'aéronautique militaire. Le développement de Rial, ce que les vieux crétois connaissent par la laiterie. Rial, depuis des années, souhaite se développer, embaucher. La réalisation des travaux de Salène permettra enfin l'agrandissement de Rial, le développement de l'emploi dans cette importante entreprise, à la fois pour les Crétois, mais aussi, Monsieur le Président, pour toute l'agriculture drômoise, Marie-Pierre aussi. Et puis, nous étions avec Béatrice Rey la semaine dernière chez AS Élevage, une entreprise qui construit des bâtiments d'élevage et qui se développe. Il y a, et c'est bien ainsi, des règles nouvelles qui vont interdire l'élevage des volailles en batterie. Cela suppose d'investir dans des bâtiments. Cela suppose que des entreprises puissent apporter cette prestation. Il y en a une à créer. Il est bien qu'elle puisse se développer. Les travaux de Salène permettront aussi l'agrandissement de Barthélémy. Je veux citer l'ensemble des acteurs économiques crétois, les plus traditionnels, d'autres initiatives aussi. J'ai salué à l'entrée tout à l'heure David Sidbon et j'évoquerai donc bien volontiers aussi ce qui se fait à l'usine vivante. Quand je discutais avec des cadres d'Astic cet après-midi, ils me disaient aussi, et je salue le directeur de Pôle emploi de Cré qui est dans l'assistance, ils me disaient leur difficulté parfois à satisfaire les offres d'emploi qu'ils présentent. C'est une réalité du marché du travail à Cré comme parfois d'autres endroits. Il y a hélas du chômage, trop de chômage, mais il y a aussi à Cré des entreprises qui cherchent à recruter et qui ont du mal à le faire. C'est un des enjeux, entre autres, de cette belle idée qu'a eu Gilles Bon dès le début de ce mandat, qui est le salon de l'alternance et de l'apprentissage, et cette année, de l'alternance, de l'apprentissage et des métiers. Nos partenaires répondent présents. L'État, Madame le sous-préfet, merci. Merci, capitaine. Avec maintenant à Cré la présence du commandement de la compagnie de gendarmerie de Cré, depuis quelques années, une brigade de recherche et une communauté de brigades. J'ai salué sa responsable tout à l'heure. Partenariat, Claude, avec le conseil régional, les beaux travaux réalisés au lycée Armorin. Les Crétois sont fiers de cette entrée et nous sommes fiers avec Jean-Pierre d'avoir participé à la fois à ce choix de fond qui était celle d'une entrée qui marque une volonté pédagogique et aussi d'un choix esthétique réussi. Conseil régional qui accompagne heureusement aussi le développement du lycée Saint-Louis. Conseil départemental, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nous en avons parlé sur tant de dossiers. Et puis, les communes voisines, nous allons démarrer demain même, si je dis juste, Béatrice, Jean-Pierre, les travaux, il faut faire un petit quai à la gare, sur la route devant la gare, et puis ensuite il y aura un peu de traçage pour expérimenter avec nos amis d'heure une navette autonome entre la gare de Cré et l'écosite, projet que nous construisons avec la commune d'Eure, avec la CCVD et avec le soutien du Conseil régional. Il y a dans les partenaires l'intercommunalité. Nous travaillons sur le dossier que je viens d'évoquer avec la CCVD. Nous sommes membres de la 3CPS et plusieurs maires de la 3CPS sont ici et je les salue. Ce que je veux dire simplement dans la vision que nous avons, nous l'avons dit, nous le disons, nous le redirons, c'est que pour nous l'intercommunalité, et c'est notre construction dès le départ. Elle doit être au service des communes. Et je suis sûr, Marie-Pierre, que vous partagez ce sentiment, d'autres ici aussi, Michel et quelques autres. Elle doit être non pas un échelon supplémentaire, mais un outil au service des communes. Pas plus, pas moins. Un outil efficace, un outil utile, un outil parfois puissant, mais au service des communes, cette cellule précieuse de la démocratie. Le président de la République l'a reconnu et l'a souligné après le grand débat. J'ai eu le bonheur de m'entretenir longuement avec
le Premier ministre cet été, et nous avons partagé combien la responsabilité communale est inégalable. Il m'avait dit, et cet engagement a été tenu dans la loi, que désormais la conférence des maires serait obligatoire, que la responsabilité fiscale est demain celle de la commune. Quand vous voulez, quand vous constatez qu'un impôt augmente, il est important que vous sachiez qui engueuler. Et à Cré, c'est plus simple. Comme on n'augmente pas les taux, vous ne nous engueulez pas, vous nous embrassez. Alors, d'autres partenaires aussi, que je veux citer, Henri Jouve, le président de la Mutualité sociale agricole de la Drôme, de l'Ardèche et de la Loire, si je dis bien Henri, est avec nous ce soir. Et nous avons reçu, il y a quelques semaines, Henri, ainsi que la directrice de la MSA, sur des projets éventuels de coopération qui pourraient exister dans l'offre sociale, la présence auprès des assurés, sur une ville comme Cré. On en a aussi rapidement parlé avec Madame le sous-préfet, entre la MSA, la Caisse d'allocation familiale et la Caisse permanente d'assurance maladie. Conjuguer le bonheur d'être crétois, c'est au fond très simple. C'est qu'à Cré, c'est la nature et la vie. La nature, la Drôme, notre belle rivière. La nature, il suffit de regarder, il suffit d'admirer, il suffit de jouir de cette beauté qu'est notre ville et son environnement. La vie, c'est la vitalité, le dynamisme, l'engagement des Crétois. La nature et la vie, le patrimoine et l'avenir. C'est tout cela, le bonheur d'être Crétois. Alors, encore une chose peut-être, car vous vous interrogeriez. 2020 est une année particulière. C'est une année particulière parce que la 20e lettre de l'alphabet grec, c'est Upsilon, Y, plus simplement. Y, c'est une très belle lettre, pour beaucoup de raisons. Y, c'est le symbole de la croisée des chemins. Y, le Upsilon grec, cet Y, est rattaché au hiéroglyphe égyptien pour... ceux d'entre vous qui lisez quelques BD, vous pouvez aussi y être habitués, qui est celle de la croix en C, qu'on trouve assez souvent dans Black et Mortimer. La croix en C, vous savez, une croix avec une anse au-dessus de la croix, c'est la clé de vie. La clé de vie qui figure la vie et qui aide à trouver sa voie. Et donc, oui, que 2020 soit une belle année, une année qui nous aide, chacune et chacun d'entre nous, à trouver notre voie. Et déjà, les amis, si on est là ce soir avec joie, c'est que, oui, nous trouvons notre bonheur à créer. Trouvons notre bonheur à créer pour que vive créer. Que vive la France et qu'à toutes et à tous, ici à Cré, à nos amis de Hong Kong, dans l'Australie qui souffre, dans la Drôme qui est belle, et dans Cré, dans son bonheur, que ce soit en 2020, le chemin de notre voie et que ce soit l'année du bonheur. À toutes et tous, belle et bonne année. Nous vous proposons de partager non seulement le bonheur d'être crétois, mais de partager aussi, de chanter la Marseillaise. 2, 3. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats
qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, bonne année. Cette année, c'est une petite courbe qui nous dit « J'ai soif de créer ah !» Thank you.